Bonjour à tous, ici Anthony de Easy French. Nous sommes aujourd'hui à Strasbourg et je suis avec Tan, à qui je passe la parole. Nous allons découvrir la ville en allant à l'encontre des habitants et en leur posant des questions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous aimez faire à Strasbourg ? Généralement, quand on sort, on fait quoi à Strasbourg ? On va dans le centre, on regarde Strasbourg qui est notre ville. Elle est super belle, voilà. Je sais pas quoi dire franchement. Franchement, parce qu'on est Strasbourgeois et nous les Strasbourgeois, on ne connaît, on va dire, rien spécialement de Strasbourg. C'est pas si ce n'est, là, je peux terminer s'il te plaît. Non, tu ne peux pas terminer parce d'accord. Que c'est je laisse la dame. Non, il y a plein de choses à faire à Strasbourg, on sort beaucoup, il y a énormément de bars. On peut vraiment, il y a beaucoup. Ça dépend en fait, plutôt en été il y a des choses à faire. Non, en hiver aussi il y a plein de trucs à faire. En hiver, t'as le marché de Noël. Mais non, pas du tout, tu peux beaucoup sortir. T'as vachement de cinéma, t'as des bars, t'as énormément de parcs aussi. Non, il y a plein de trucs à faire, faut pas dire ça. Vous êtes des méchants. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes de Strasbourg ? Pas du tout. D'où est-ce que vous venez ? De Bruxelles. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu à Strasbourg aujourd'hui ? Parce qu'on a fait notre vacances en Italie et on retourne à Bruxelles, donc on fait une étape à Strasbourg. Pour l'instant, qu'est-ce que vous avez visité ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Pour le moment, nous avons visité la cathédrale de Strasbourg, nous avons visité la Petite France, le quartier de la Petite France, et un peu les alentours à l'extérieur, l'université, les grands boulevards. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa potete dirmi a proposito di Strasbourg? Ma una città che mi è sembrata molto carina, e molto bella dal punto di vista turistico, si possono trovare davvero delle cose interessanti, molto carine, ma non è super affollata, si può stare tranquilli, visitarla senza problemi e riuscire a goderla molto bene. E ci sono delle, anche il cibo mi è sembrato buono. Mais du coup vous appréciez la ville quand même? Bah ça a l'air d'être pas mal, enfin du peu que vous avez vu, oui, vous trouvez ça bien, beau? Il y a pas longtemps qu'on est là donc sur les spécialités locales culinaires, vous mangez quoi en fait? La choucroute, voyons. On va souvent dans les fast food en fait. C'est très local les tacos, t'as raison. On est pas moi j'ai pas tellement mangé ici de choses locales. C'est plutôt voilà comme il a dit, des sandwichs, pizza, voilà quoi. C'est un peu dommage, je sais, mais ouais, c'est récupérer voilà. Avec la choucroute, mon gars. Ouh là là, attention le dommage. Surtout quand on est étudiant en fait, on n'a pas vraiment le temps. Ni la thune. Ouais, voilà. Donc ça nous arrange plutôt d'aller dans des trucs rapides un peu. What did you see? What have you seen already? What I've seen already is it's already an international city, not a French city, it's multicultural. So I enjoy it. L'heure astronomique dans la cathédrale. On a vu ça tout à l'heure. On vient juste d'arriver aussi. C'est notre premier jour à Strasbourg. Mm-hmm. Vous aussi, c'est votre premier jour à Strasbourg ? Oui. Ah, d'accord. Vous découvrez aussi comme nous, en fait. Vous découvrez la ville. Nous sommes en Allemagne, à Hanovre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Alsace en général ? Est-ce que tu aimes cette région et qu'est-ce qu'on y fait ? Vous faites comme nous, moi, je sais pas, moi. Je sais pas, ils font quoi en Alsace ? Très bon. Et quoi d'autre ? Des tissus particuliers, qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Alors cette vidéo arrive à sa fin. Qu'est-ce que tu as pensé des gens qu'on a interviewés ? J'ai pensé que les Strasbourgeois étaient très sympathiques, disert et dynamiques. Surtout les 4 derniers là ? Tout à fait, surtout les 4 derniers. Voilà. Bon on espère que cette vidéo vous a plu. Oui, on espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à l'aimer et à vous abonner à la chaîne YouTube Easy in Languages ou les deux. Et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'Easy French.